Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais faire mes achats que j'ai achetés ce week-end. Du coup j'ai été à Paradisea ce week-end, enfin samedi et dimanche. Il y avait une brocante du côté de la Louvière à Manage. Et en allant au matin, le dimanche matin, sur Facebook, j'ai vu que la dame qui vendait une figurine que je voulais absolument depuis un moment, que je cherchais depuis que j'avais été à Disney au mois d'octobre de l'année passée. Je cherchais après la figurine. Et si je viens de la trouver, du coup, je suis super contente. Mais d'abord, on va commencer par les achats de samedi. Que j'ai été à Paradisea. Comme ceci, le sachet de Paradisea. Ouais. Je me suis acheté deux, trois plutôt. Il n'y a pas beaucoup. Mais c'est bon. Alors, je vous montre la première chose qui est dans un petit sachet comme ceci. Hop, je ne sais pas si lesquels. Oh oui, c'est celui que j'aime bien. J'ai craqué pour des boucles d'oreilles un peu spéciales. C'est vraiment spécial. En fait, voilà comme ça se présente, cette boucle d'oreille. Elle est trop jolie, j'adore. Un peu fait, et c'est une attache comme ceci. Hop, voilà. Bien sûr, j'ai les deux, hein. C'est juste que pour tenir les deux, comme c'est fragile, hop, voilà. Tous les deux, j'ai trouvé ça trop joli. C'est un reflet, c'est fait pierre en fait. J'aime bien tout ce qui est. Côté marque, pierre, je sais pas comment dire. Alors ceux-là je les avais déjà achetés avant, mais quand je les ai ouverts ils étaient cassés, et du coup ici il me les a échangés quand j'ai été cette fois-ci. C'est aussi des boucles d'oreilles. J'étais triste parce que j'avais un mariage, j'ai pas su les mettre, mais tant pis, je les mettrai autrement. Voilà, ces deux petites pierres roses. Je ne sais pas si le rendu se donnera correctement à la caméra. Voilà. Elles sont très chouettes. C'est des pendentifs. Pas trop longues. C'est très joli. Quand je m'habillerai un peu plus, je vais les mettre là pour ne pas les casser. Et alors la dernière chose qui est assez lourde, qui pèse une tonne. Voilà, c'est caché là-dedans. Pour vous dire que c'est, ça casse, c'est lourd. Par contre, moi c'est le poids qui me... Vous avez une idée qu'est-ce que ça peut être? Comme je vous ai montré les pierres en boucle d'oreille, ça peut être quoi? Non, ici c'est une statue que j'ai flashé dessus. Enfin, j'avais flashé sur une autre, mais elle est partie. Du coup, ben... Je vous montre. J'ai trouvé une autre. Voilà. Et c'est des statues de dauphins en pierre. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà. Bon, trop belle. J'adore. L'effet dessus est trop joli. Je sais pas si vous allez le voir. Parce qu'avec le soleil, des fois, il joue un peu. Regardez ces deux dauphins qui se survolent. Voilà pour le dauphin qui pèse une tonne. Je vais déposer sur le bureau. Ça qui tombe. Voilà. Après, pour le samedi. On va commencer par la petite chose que j'ai pris qui n'était pas prévue d'abord. Enfin, j'ai deux choses que j'étais pas prévue. J'allais pour une figurine et je suis retournée avec trois figurines. Enfin, soit. J'ai trouvé la figurine Stitch qui s'illumine comme ceci. Elle est trop belle. Je vais essayer de la retirer. J'ai mes petits ciseaux. Bien sûr. Ils sont plus là derrière moi. Faut que j'ouvre le tiroir juste à côté de moi.
sans couper le câble qui est juste là. Voilà, je l'ai. Je l'ai. Elle est trop belle. Je vous l'avais déjà montré. Enfin, pas celle-ci. Celle que j'ai en clochette. Voilà, elle sortit comme ceci. Ah. Hop. On va laisser le papier. Bah, elle a l'air de rien avoir. C'est une Dream Short. Ah oui, d'accord. Ah, ah, je me coupe le doigt. En fait, regardez, elle s'allume toute seule. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait, elle est tenue par un colson là. Du coup, on va essayer d'avoir le colson. Je ne sais pas la voir. Je vais vous la montrer comme ceci, tant pis. Voilà, vous voyez, elle s'allume. Et c'est un. Si vous la touchez, hop, elle s'allume. C'est une Dream Short. C'est compliqué. En plus, avec tous les scotch qu'il y a dessus, c'est le caca boudin. Allez. Oh, ça a pris. Voilà. J'ai pas envie de casser la figurine. On va essayer de faire comme ça. Écoutez, j'arrive pas du tout à la voir. Ce n'est pas grave. Vous la voyez quand même un peu bien. Bien. Hop, et vous avez le bouton juste en dessous pour couper. On va la mettre sur on pour pas qu'elle s'allume pour rien. Voilà, c'est une Dream Short. Vous voyez. Voilà. Bon, je la laisse comme ça dans son bac. Donc, j'ai fait mal au doigt. Voilà, je la mets là sur le côté. Alors, l'autre boîte. Celle, je regarde si j'ai pas celle que j'allais à la base. Voilà, je vous montrais la dernière parce que celle-là c'est une spéciale. Hop, elle est assez grande. Voilà, si vous connaissez, vous savez ce que c'est. Vous avez c'est aussi une Dream Short. Oh non, pas ça. Bordel du cul, j'en ai fait partout. J'aime pas la frigolite. Ça colle partout. Oh mais qu'elle est belle. Je craque à chaque fois que je la vois. Je craque. Vous êtes prêts? On la voit partout. Hein. Il y a en trois couleurs. J'ai la rouge. Spécial Noël. Je voulais la verte. Et il y a une bleue. Maintenant vous savez ce que c'est. Mais j'aime pas encore la bleue, mais j'ai la verte. Et la rouge qui est aussi au salon. Regardez ça, qu'elle est trop mignonne. Oh, elle est trop belle. Je suis contente de la voir. J'ai mon téléphone qui sonne. Trop mignonne. Regardez ce petit visage de cette petite fée clochette. Elle est trop chou. Je la voulais absolument. Et je la voyais un peu partout, très chère. Et voilà. J'ai pas hésité quand je l'ai vue. J'ai trouvé pas trop cher. Je viens de voir sur le papier même que j'ai payé moins cher que le prix du papier. Voilà, elle est très belle. Le seul truc que je n'aime pas, c'est les paillettes sur le socle. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Hop. Non, on voit pas les paillettes. Mais tout le socle blanc où il y a marqué Disney, c'est des paillettes. Et ça, j'en ai plein les doigts. Même sa robe, elle est trop belle. Elle n'a aucun défaut. Elle a ses ailes. Sont super belles. Elle est magnifique. Elle est trop mignonne. Bon, je vais essayer de la mettre ici aussi en attendant. Je la remettrai après la vidéo. Et alors, la selle. Où au début je disais non, on va pas la prendre, on va la mettre, elle va casser trop vite avec mon chat, si elle grimpe partout. Et puis, monsieur a craqué. Je vous montre juste la boîte, parce que la boîte elle est trop belle. C'est une Disney. Regardez, Disney. Parce que c'est une reconnue.
J'ai le papier de certificat avec. Mais c'est vraiment très très fragile. Alors, je vais vous la montrer en douceur. J'ai failli la faire tomber. Je vous montre, j'ai le papier dedans, le certificat de la petite figurine. Après ça, je sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. Je regarderai plus tard. Ça, je regarderai après. Voilà. Alors, je la déballe en délicatesse. Sur la figurine, il y a de l'or, je sais plus quoi. Il y a des paillettes d'or. Voilà. Vous allez la voir dans 2 minutes. Mais moi, je suis amoureuse de la voir. Ça m'énerve de l'avoir achetée et de devoir la laisser dans sa boîte pour le moment. Tant que je ne cherche que je trouve autre chose. Parce qu'il faut vraiment que je la mette dans une vitrine. Pour qu'elle ne prend pas du tout les poussières. Enfin, ça m'énerve. Elle est trop, mais trop magnifique. Regardez cette figurine. Je sais pas si vous allez voir les ailes. On voit pas bien. Ici, tout le long de le bord un peu plus... je sais pas comment ça vous donne, vous. Un peu plus foncé. C'est les paillettes d'or sur les ailes. Elle est trop belle. Regardez. Je sais pas si on voit... C'est compliqué de vous la montrer parce qu'elle est trop belle. Regardez ça. Et c'est... C'est vraiment fragile, je sais pas si vous entendez le bruit. C'est vraiment très très fragile. Elle est trop magnifique. Vous savez quoi? Pour ceux qui veulent l'avoir un tout petit peu mieux, je vais faire des photos. Mais là elle est belle comme ça, elle est trop belle. Des photos. Et je vais la mettre sur Facebook. Sur Instagram aussi. Allez voir, je les mets dans barre d'infos, mes réseaux sociaux. Instagram qui est exactement le nom, je sais jamais, bébé, c'est non, c'est Tigrou. Regardez, je vais même vous le montrer. Ouais, toi, je te regarderai après. Voilà, allez, on va voir sur mon... J'ai des sur ma page, regardez ça. Si j'arrive à aller sur mon compte. Je suis nulle avec Instagram pour le moment. C'est par là que je dois aller. Hop, je vais juste aller délicatement. Et voilà. Bien sûr, c'est pas ce que je voulais montrer. Allez, zoom. Allez. C'est clochette tirée du bas, Tigrou. Voilà, comme ça vous pouvez voir. Vous voyez toutes les photos. Regardez celle-là. Ça, c'est Paris-Liza. Et ça... C'est moi. Et petit quick. Regardez petit quick. Allez voir dessus. Je vais faire les photos juste après. Bon voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Ça me fait plaisir et ça soutient la chaîne. De commenter, de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.